Salut tout le monde, c'est Farage et le chat a bugué parce qu'ils comprennent pas, ils me voient dire au revoir et bonjour, ils comprennent plus. Mais on se retrouve pour ce nouvel épisode de The Legend of Zelda Oracle of Seasons. Rebonjour Fallen, rebonjour Adeline, rebonjour internaute, rebonjour à tous. Ça faisait longtemps, n'est-ce pas hein? Au moins, aïe, au moins 3 secondes. Voilà, dites bonjour à YouTube. Oh bonjour. Bon, j'ai beau l'appeler tant que je peux, mon minou veut pas venir. Si au moins j'avais son plat favori, du poisson. Bon, on verra à l'occasion. Là, pas tout de suite. On a trop dormi autant que Beaujour. Oui, c'est ça, le temps avance. Alors, il va falloir se rendre au temple du Nord. Non, pas au temple du Nord, à la racine. La racine. Au lac du Nord, ça va être là. Voilà. Premier donjon! Qu'ils le laissent et prennent un chien. Mais non. Allez, premier donjon, c'est parti! Niveau 1, donjon racine noueuse. Y'a des gnolls qui me regardent, on est dans Silent Hill? Alors la fée, merci. Mais j'ai rien pour les attraper. Bah on va commencer par en haut ou à droite? On va commencer par en haut, allez. Ah, bonjour. Redonne la lumière aux torches éteintes. Oui. Encore faut-il pouvoir faire ça, mais pour l'instant je ne peux pas. Donc j'imagine que c'est la lanterne que je vais avoir dans le donjon. Merci. Ça c'est de l'énigme. Alors la carte du donjon, voyons voir. Là-bas, il est pas très grand. Ok, donc avant d'aller dans le wagonnet là. Ok, allez, let's go! Ah, aïe! Saleté! N'importe quoi là. On recommence. Le wagonnette, c'est ça. Alors, attendez. Si je fais. Non, là on peut pas. Donc c'est forcément là. Attendez. C'est quoi ce bins? Si je pousse celui-là ici. Ah oui, attendez. Ça, voilà. Je suis débile. Le wagonnet. Une graine. Une graine gacha. Pour le gang de la moustache. Très bien. La boussole, j'imagine. Voilà.
Donc les coffres et les clés, très bien. On verra ça en temps voulu. Allez, let's go. Je veux le coffre. Ah oui, tout, ça veut dire qu'il y a un secret quand ça se bip là, je crois. Une clé ou un truc. Oh, des bombes. Cool. Oui, tout. Attendez, attends. Voilà, là. Par contre, là, ouais, on va monter. Alors, what the... Aha! Aïe! Ah oui, c'est comme ça, toi. Ah, d'accord. Je m'attendais pas à ça. Oh, punaise. Mais quel boulet? La fée, non. Bah tiens, ça va être l'occasion de voir la sauvegarde auto. Sauvegarder, continuer, oui. Ah, en fait, c'est ça, il faut mourir pour sauvegarder. C'est peut-être ça, il faut mourir pour sauvegarder. Allez, par là. Allez, c'est reparti. Pratique. Je sais pas si c'est pratique, mais... Moi, j'aurais dit que, effectivement, la mort nulle, je suis d'accord. Donc là-bas, on ira après. On revient là. Ouais, il y a quand même des limites. Ah oui, mais j'ai pas de clé. Quel idiot, je viens là, mais j'ai pas de clé, moi. Tout ça pour ça. Bah oui. Sans clé, je vais pas aller bien loin. Ah. Aïe, ça va. Bah il faut le tout, faut récupérer la clé d'abord. Fafa fait start puis select. Ah c'est... Ah ouais d'accord, c'est select pour changer de truc. Eh hey, franchement, c'est pas contre-intuitif ça, select pour changer de menu, d'accord. Ok. Merci Nicolas. Ah ouais, non mais c'est contre-intuitif, enfin select pour changer de menu, n'importe quoi. Ah la clé est là. Bon, c'est pas grave, j'ai les sauvegardes sur l'émulateur, hein, mais... Mais bon. Elles sont mimi, chauve-souris, ouais. Bah, c'est pas que c'est pas chiant en soi, c'est juste que tu penses pas forcément à appuyer sur Select pour aller dans le menu, quoi. Allez. Alors, mini-boss. On ne passe pas. Ah d'accord. Il y en a qu'un. On en tue un, ça tue les deux. Bon, bah très bien. De quoi vous parlez ? C'est le mal, les sèches-têtes. Vous ne passerez pas, non, c'est génial.
Il y avait que 4 boutons. Bah oui, du comment j'ai oui, il y avait non, enfin oui. Alors, c'est par où? C'est par là. Il y a pas de coffre là, hein, ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc hein? Une poche à graines. Elle contient 20 graines braises. Ok. Ah bah on ira mettre le feu au truc. Les graines braises, c'est ce qu'on avait rencontré sur l'arbre tout au sud du village. Là, je peux passer? Ah bah non, évidemment. Bah non, évidemment. Quelle question, Farage. Allez, demi-tour. Ah, je reviens là, je m'attendais pas à revenir là. Ah, lâche-moi! Alors, les graines braises. Hop. Stouk, stouk. Tout, 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 oui. La clé du boss, parfait. Je trouve pas d'aspirateur, juste un balai. De quoi vous parlez? Aspirateur. Hein? Je sais pas de quoi vous parlez, j'ai rien suivi. Oui, il fallait allumer les torches de l'autre côté. Et donc là, on va direct au boss, hein? Ouais. On prend les roupies! Alors, bonjour. Non. 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 J'ai horreur, mais alors une sainte horreur, de ses mains. Mon traumatisme dans Ocarina of Time. Je parle d'aspirer les yeux d'internautes comme vous l'avez... Ah! Je déteste tellement ses mains. Ouais, ouais, bah pareil. J'ai dit mon traumatisme dans Ocarina of Time me faisait flipper ses mains. Alors dans le temple de la forêt, je t'en parle même pas. Alors, un anneau. Il faut le faire évaluer pour l'utiliser en plus. Anneau magique, faites-le évaluer. Bon, on le fera évaluer. Qu'est-ce que ceci? Un anneau. Ah, mais... Je pense qu'elles ont traumatisé tout le monde. Ah, c'est bien possible, Fallon nous dira. Vu que tu arrives au temple de la forêt, tu l'as pas déjà fini. Comme dans The Legend of Zelda, A Link to the Past aussi. Ouais, mais dans A Link to the Past, ça m'avait moins traumatisé. C'est le truc qui t'a chopé du plafond. Oui, c'est ça, Fallon. Le truc qui te chope du plafond. Alors... Non. 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 Boss. Alors, comme dans tous les Zelda, on se demande qu'est-ce qu'il faut taper. C'était un des boss, celui-là, du tout premier Zelda. Voilà. C'était l'un des boss du tout premier Zelda. Dragon comme dans le premier Zelda, voilà. Le Zelda, ben Zelda, The Legend of Zelda sur NES. Vous obtenez la terre fertile, une essence de la nature. Les graines plantées dans la terre fertile donneront de belles plantes. Oui. Rebonsoir, Fan. Oh, je suis l'arbre Bojo. Un peu de terre fertile est revenue. Je me sens un peu mieux.
Dans mes rêves, j'ai vu le temple des saisons dans un étrange pays inconnu. J'ai aussi vu un objet précieux qui t'aidera, Link. C'est tout ce que je vois. Hein? Oui, bah ouais, alors l'objet précieux qui m'aidera, ça me dit pas ce que c'est, hein? Badabadam, bam, badabadabam. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi, Tess? Bon. Alors, bonjour. Chut, ne dis rien. Je dis rien. Je dis rien. Ma maman m'a toujours dit, si un inconnu te donne de l'argent, tu prends l'argent et tu t'en vas. on va retourner au village faire identifier mon anneau. Badabadam, badam, badadam, badam. Tiens, il me part. Coucou. Mais où se cache le temple des saisons? Quelqu'un a un indice? Qui c'est? Oui, c'était la sorcière, mais j'y ai pensé après coup. Tiens, on est plus en hiver, là. J'y ai pensé après coup. Alors, le truc des anneaux, c'est où? Non, je frappe pas les damagés. Les anneaux, c'est là. Entre, je suis Vatsu, le joaillier. C'est la première fois, je vais t'expliquer les anneaux. Les anneaux faits de graines mystiques ont des pouvoirs mystiques. Si tu en actives un, tu bénéficieras de ces pouvoirs. Mais tu dois garder dans ta boîte à anneaux, les pouvoirs mystiques s'affaibliront. Et tu ne pourras plus les utiliser, compris? Capiche? Oui, oui, capiche. Tu n'as pas de boîte à anneaux? Je t'aime bien, prends cette boîte à anneaux. Merci. Elle contient un anneau. Prends cet anneau en gage de notre amitié. Faites-le évaluer. Tant que les anneaux ne sont pas évalués, tu ne peux pas les porter. Alors, on va les faire évaluer, oui. Évalue. Ça s'appelle ça la découverte. Détecte la terre fertile. Ok. Allez, plus j'en ai, plus ça coûtera cher. Ok, 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 ok. Ah, tu as tout évalué directement, d'accord. Non, 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 je voulais pas te parler. Quitter. Alors, dans ma boîte à anneaux. Oui. Évaluer. Ouais, celui-là. Un anneau d'amitié, icône de rencontre. C'est ce type d'anneau. Ajoute-le à ma liste, oui. Alors. Ma liste. Anneau d'amitié. Anneau découverte. Bon, on va mettre l'anneau d'amitié. Je sais pas trop à quoi il sert, hein, mais. Je sais. On verra. On va mettre l'anneau d'amitié. Anneau Tinder. Oui, c'est ça. À force de mettre tes yeux partout, tu n'arrives plus à lire, internaute. Alors là, je peux brûler les arbres. Est-ce qu'il faudrait pas retourner voir l'arbre Bojo avant? Debout! Oh! Le temple des saisons, Link, un objet précieux, très utile. Oui, oui, d'accord, ok. Merci de ton aide. Brûle l'arbre. Allez, par là. Attends, jeune voyageur, je suis Sokra, prophète errant. Je les sens, printemps, été, automne, hiver, les quatre esprits t'appellent. Mais pas d'erreur, le temple des saisons est encore caché dans ce monde. Si tu trouves le temple, rends donc visite aux esprits qui y résident. Ils t'aideront, sûrement. Adios. Ok. Padabadam, padabadam, padabadam. Allez, alors on va se balader. Ça, c'est peut-être l'une de mes musiques préférées de tout Zelda confondu, celle-là. Le chant des tempêtes. Allez, marche, tourne. Ah, si je pouvais le huiler. Bon, ben, quand j'aurai de l'huile.
Bon, là-dessus, je peux pas les soulever, ça. Non. Ah, moi, j'aime beaucoup. Le chant des tempêtes, j'aime beaucoup. Il y a un remix, je vous le mettrai sur Discord si j'oublie pas. Il y a un remix qui est très sympa, avec une image d'un cyclone, et je trouve que ça colle tellement bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Bonjour! Alors... Je veux revoir mes potes et réparer le bateau. Mais le capitaine a dit, ne revenez que si vous avez la cloche. Que quelqu'un veut ma place. Bon, ben on verra à l'occasion. Ça faisait longtemps hein, que j'avais pas fait la voix du squelette. Ah ben moi les tempêtes, moi les orages, tu vois, j'adore les orages. Quand je suis à la montagne, qui pleut, qu'il y a un orage et que t'es au coin de la cheminée, je trouve ça génial. C'est vraiment une ambiance que j'adore. Bon bah... C'est horrible! Un temple est tombé sur Subrosia! C'est quoi un temple? Subrosia est un lieu secret! Je dois retourner en secret sans être vu! Bon bah par là apparemment. Par là. Vous avez vu un peu cette technique ninja? Personne ne me voit. Elle va me donner son de papillon, elle, je crois. Pour la quête... Oh, pour la quête des échanges. Allez, go! Ah! Quelqu'un me suit! Ah, bien joué, putain, ma feinté! Bien joué! Ah! Bien joué, bien joué, bien joué! On ne l'arrête plus, il est en forme ce soir, les accents! Ah, si vous voulez, je peux arrêter, hein! Je dois retourner en secret, vas-y, retourne en secret! Tan tan tadadam, pam pam pam! Tu continues, c'est un ordre apparemment. On va dire que je suis de bonne humeur en ce moment. J'ai certaines raisons qui font que je suis de bonne humeur. Va-t'en. Ah, ah, ah. Vous ne me verrez point. Ah ah ah. Je t'ai trouvé. Par le psychopouvoir. Oh mon dieu, on est où là? Ah oui, ah oui, ah oui, d'accord, ouais. Je n'ai absolument, mais alors, aucun souvenir de tout ça. Mais alors... Oh. Wow, un temple est tombé sur la place Est. Quel étrange vêtement. Où les as-tu trouvé? Je peux te retourner le compliment. Si tu fais bien la danse de Subrosionen, tu gagneras un boomerang. Oh, c'est quoi la danse? Attraper des objets, oui, bon, je sais à quoi sert un boomerang, mais moi, je veux bien apprendre la danse. J'ai pas le temps. Il y a plein de minerais dans le temple à l'est. Ok. Les rubis, ici, c'est nul. C'est le minerai qui est d'accord, ok. Ça, c'est les arbres du monde des ténèbres dans A Link to the Past. Oh là, oh là, oh là, oh là, du calme. Mais Farage, on suit pas les dames derrière les arbres. Si, 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 si. Alors techniquement c'était un arbuste. Si tu creuses près d'ici tu pourras trouver du minerai. Certains endroits ouais mais j'ai pas la pelle.
Ah, je vais bien creuser, mais j'ai pas la pelle, là. Bienvenue chez le forgeron de Soubrosia. Nous sommes les meilleurs de tout le pays. Les deux derrière ne travaillent que sur des objets de valeur. Bon, toi, tu es le manager, oui, et donc... Oui, et donc, y a des pelles derrière, t'en vends pas une? Non? Non? Bon, d'accord. Ok. Non, il chante ça. De... Ah! Je chante quoi? On va sauvegarder, tiens. Alors... Creuser là pour du minerai. Là pour des cailloux, oui. En piège tic-tac, tic-tac, tic-tac dans la mine de jour entier. Piocher tic-tac, tic-tac, notre jeu préféré. Tu peux trouver plein de minerais. Oui, bon, ça va, j'ai compris qu'il y avait du minerai. Arrêtez. J'ai pas le temps, mon esprit. Alors, tac 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 tac. Je sais pas du tout si c'est là qu'il faut aller, hein. Alors, on doit être là-haut, j'imagine. Mais ma collectionniste me dit de dévoiler la map d'abord. Tu es enfin arrivé. Quand le temple a été enseveli, je pensais pas que tu viendrais. Ce temple des saisons est est l'endroit, pardon, où nous, les quatre esprits, résidons. Cela fait longtemps que je t'attends. Aimes-tu le printemps, l'été ou l'automne? Mais non, tu dois aimer l'hiver. Va chercher le sceptre des saisons et va dans les quatre tours. Bon, j'étais en train de me demander quand est-ce que j'allais avoir le pouvoir justement de changer les saisons. Ben voilà, j'ai ma réponse. Bonne nuit, Free. La collectivité a toujours raison, c'est ça. Pam pam padam. Amène le sceptre des saisons dans chacune des tours, pas de soucis. Alors, le sceptre des saisons, pour l'instant, il fait rien, ok. Allons acquérir le pouvoir des saisons. L'hiver c'est bien. Non, Team Printemps. Team Printemps. Et bienvenue, Ifalna. Merci à toi pour le follow. Et non, non, moi je suis clairement Team Printemps. Il fait pas trop froid, il fait pas trop chaud. Tu peux rester dehors tranquille sans cramer ou sans te geler. Non, moi je suis clairement Team Printemps. Personne ne répond l'été démoniaque. Ah non, l'été, non, clairement pas. L'été il fait beaucoup trop chaud. Beaucoup trop chaud, tu peux. Moi je peux pas. Vous avez vu la peau que j'ai, je peux pas rester au soleil. Non, 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 non. Team Printemps, clairement. Bon. Alors moi je veux bien aller dans les 4 tours, mais. Il y a comme un petit souci là. Le minerai est en morceaux. Mais oh, toi tu me gonfles avec ton minerai. Alors attendez. Parce que là. Je brûle en 15 minutes max. Ouais, mais pareil, pareil. Là, il me faut une clé, donc je peux pas. Ah, peut-être, attendez, si. Bah si, je suis bête. Si, 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 si. Hop, voilà. Alors. Hop. Non, 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 il faut la... Mais non. Mais non. Ah. Voilà. Allez, on save. Voilà. Hop. C'est vrai que si j'aurais choisi, ce serait vraiment l'hiver. Après, l'hiver, c'est sympa, mais tu vois, ça dépend où tu vis. Je trouve que l'hiver en métropole, par exemple, c'est pas terrible. L'hiver à la campagne, c'est super. Merci de ta venue, enfant à la main bénie, l'esprit de l'hiver t'attend. Dean est notre ami.
Je vais donner le pouvoir de l'esprit de l'hiver à ton sceptre. Brandis le sceptre sur une souche et les saisons changeront. En hiver, l'eau est gelée, sans blague, et la neige tombe. Ah bon ? Bon, on va pas avoir les quatre... J'ai la musique de Vivaldi qui m'est venue d'un coup dans la tête, là, les quatre saisons. Je disais, on va pas avoir les quatre saisons d'un coup, mais... Parce que là, on est bien d'accord. Quoique... Alors, cet objet est le sceptre des saisons. De nouveaux chemins vont s'ouvrir à toi. J'ai rêvé d'une forêt à l'est. Il se peut qu'il y ait une essence là-bas. Link ! Peux-tu y aller ? On va y aller. On va y aller. Mais pour les gens de YouTube, ce sera dans le prochain épisode, car il est temps de s'arrêter là. Donc j'espère que ça vous a plu. On n'oublie pas le petit pouce bleu. Et je vous dis salut tout le monde !